Quand la nature domine, la beauté règne. Quoi ? C'est ce que ta grand-mère disait tout le temps. Je ne me lasse pas de cette route. La vue est fabuleuse. Je vois des arbres et de la neige. Alors comme ça, tes parents font le tour de l'Europe? Ouais, et ils m'ont pas emmené. Je suis ravi que tu sois là, bouton d'or. Maman dit que t'as besoin de compagnie. Eh bien, tu es plus pour moi qu'un peu de compagnie. Tu es de la famille. Dommage que tu ne sois pas arrivé un jour plus tôt. T'aurais eu la chance de voir la course aux étoiles, une des plus grandes courses de chiens de traîneau du pays. Des chiens de traîneau? Vous vivez dans quel siècle? T'aurais adoré ça. C'est vraiment fascinant. Les chiens sont magnifiques. N'hésite pas, si tu veux admirer le paysage, demande-moi de ralentir. On va faire un arrêt. Je dois aller au bureau de poste. La ville est encore loin? On y est. Quoi? C'est tout? Oui. J'adore cette ville. C'est autre chose que Boston, hein? Nous y voilà. Tu veux voir le bureau de poste? C'est vraiment tentant, grand-père, mais je vais attendre ici. D'accord. Bon sang, Oz. C'est la quatrième course que tu perds. T'entends? Tu m'as ridiculisé. Devant toute la ville. Les luges ont souffert de l'accident de la semaine dernière et les chiens n'en peuvent plus. Peut-être qu'on devrait les laisser se reposer. Des excuses, toujours des excuses. Pour trouver des excuses minables, là, tu es fort, hein? Tiens. Et arrête un peu de pleurer. Hip. Est-ce que c'est une façon de traiter ton gamin? Occupe-toi de tes oignons, Elle. Reste tranquillement chez toi, avant de nous faire un arrêt cardiaque. Avance! Bonjour, monsieur Hale. Salut, Jack. Est-ce que vous avez vu la course? J'ai terminé quatrième chez les juniors. Quatrième? J'étais en tête jusqu'au dernier virage. J'ai remarqué que tu freinais trop dans les tournants, juste quand tes chiens voudraient vraiment y aller, tu comprends? Grand-père, j'ai froid! Et je m'ennuie. Je m'ennuie et j'ai froid. Eh bien, on rentre à la maison et on va te réchauffer. Ryan, voici Jack Ferguson. C'est un voisin. Ryan est ma petite fille. Elle vient de Boston. Ah, tu viens de la ville? Je dois nourrir les chiens. Ravi de te rencontrer. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as les chaînes satellites ici? Non, mais j'ai du chocolat chaud. Suis-moi. Ta mère m'a donné une liste des chapitres que tu dois lire pour ne pas prendre de retard à l'école. On dirait que c'est du boulot. Pas vraiment, je suis plutôt bonne élève. Tu joues toujours au foot? Non. Tu te débrouillais plutôt bien pourtant. Les filles de Beacon Hill ne jouent pas au foot. C'est pour les garçons manqués. Mm-hmm. Les filles de Beacon Hill? Brittany et Chloé, les filles les plus populaires de ma classe. Ah, et ce sont tes amies? C'est ce que je dis à tout le monde, mais je crois qu'elles disent pas la même chose de moi. Ah, je vois. Elles ont les meilleurs portables, les fringues les plus cool. Brittany part skier en Italie et la famille de Chloé a une maison à Saint-Barth. Impressionnant! Et moi, j'ai atterri dans le Montana. Oh là là là.
Un triste destin pour une petite fille. C'est l'heure d'aller dormir, bouton d'or. Tu veux que je te lise une histoire? Grand-père, j'ai plus 4 ans. D'accord. Désolé. Salut, t'es la petite fille de Monsieur Hale? Ouais. On cherche des pommes de pin, tu veux nous aider? Des pommes de pin? Ouah, ça doit être vraiment génial! Elle n'est pas de chez nous, Rusty. Viens, on s'en va. Ces montagnards sont cinglés. C'est quoi tout ça? Mon livre de souhaits. Toutes les choses que je souhaite. Et ça, c'est quoi? C'est une pince à cheveux. À 40 dollars? Chloé en a une. Elle est trop cool. Je vois. Maman et papa m'interdisent la plupart de ces trucs. Ils disent que de ne pas tout avoir donne du caractère. Je crois que j'aurai toujours beaucoup de caractère, même s'ils acceptaient de m'acheter tout ce que je veux. Tu crois? Mais j'ai jamais de bonnes surprises dans ma vie. Oh, le monde est plein de surprises si tu le regardes sous le bon angle. C'est un discours de grand-père, ça. Merci d'essayer de me remonter le moral. Y a quelqu'un? Hey! Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit. Y a des fantômes ici? Non, c'est probablement un raton laveur. Il se montre parfois. Il s'amuse à éparpiller des déchets partout quand j'oublie de fermer les poubelles. Et si on le surprenait? C'est un chien. Un chien? Ouais, et une sacrée bête. Regarde sa taille. Non, sois prudente. Il est peut-être farouche. Farouche? Sauvage. Il y a des chiens sauvages dans le coin. Il est mal en point, on ferait bien d'appeler le vétérinaire. Il s'est battu. Probablement avec un ours ou un lynx, il a peut-être une hémorragie interne. Il va mourir, docteur? Ça s'annonce mal. Il a peut-être un poumon perforé, il respire à peine. Et Bill, c'est pas un chien. Pas complètement, en tout cas. Comment ça? Regardez-le. Il est particulier, il est croisé avec un loup. On peut le garder quand même? Écoutez, cet animal est en piteux état, Bill. Je pourrais l'opérer, mais je crois que la seule solution raisonnable serait de l'aider à partir. Vous voulez le tuer, j'ai compris, mais il a rien fait. Il est tout seul et il a peur. Ryan. S'il doit mourir, laissez-le tranquille. Moi, je vous laisserai pas lui faire du mal. Écoutez, je repasserai le voir demain. Mais à mon avis, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous allez faire du corps. Attendez, docteur. On est bien en train de parler d'un loup, on est d'accord? Un loup? Oui. Ce n'est pas dangereux de le garder ici. Dans l'état où il est, il fera de mal à personne. Il tient plus du chien que du loup. Ça ne craint rien.
Merci, docteur. Je vous en prie. Bonsoir. Écoute, Ryan. Il est tard, il faut aller dormir. Demain matin, on verra s'il va mieux. Tu veux bien qu'on mette un radiateur près de lui? Bien sûr. Merci, grand-père. C'est L'appel de la forêt de Jack London. Quand j'avais ton âge, c'était mon livre préféré. Je l'ai relu plusieurs fois. Mais les jeunes n'ont plus ce genre de lecture. Enfin. Ça ne parle pas de lapin débile ou de forêt enchantée, j'espère. Non, ça parle d'un chien. Buck ne lisait pas les journaux. Autrement, il aurait su que des ennuis se profilaient à l'horizon. C'est qui, Buck? Buck est un chien. C'est écrit d'une façon assez vieillotte. Tu ne m'en veux pas si je paraphrase de temps en temps. Paraphrase? Je peux utiliser mes propres mots. Oh, d'accord. Bien. Tu vois, ça se passe en 1897. On venait de découvrir de l'or dans le fleuve Yukon. C'est au Canada. Exact. Alors voilà, il était une fois sous le soleil de Californie un chien qui s'appelait Buck. Il vivait dans une propriété énorme. Buck avait 4 ans au moment de l'histoire. Moitié Saint-Bernard, moitié berger écossais. Il était massif et très intelligent. Il vivait comme un roi. Dans ce domaine travaillait un jardinier qui avait le cœur noir. Quand il apprit qu'il pouvait tirer un bon prix d'un chien costaud comme Buck, une nuit, il l'emmena sur la route à la rencontre d'un homme étrange. Cet homme donna une belle somme d'argent au jardinier et le jardinier lui tendit la laisse. Buck ne se doutait pas qu'en suivant cet inconnu, il ne reviendrait plus jamais chez lui. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Tu es d'accord? J'ai pas encore sommeil. Continue à lire. Ryan! Bouton d'or! Réponds, ma chérie! Ryan, qu'est-ce que tu fais? Il va mieux ce matin. Depuis quand tu es là? Depuis le lever du jour. On dirait un chien. Il veut être mon ami. Est-ce que je peux le garder? Ryan, il est sauvage. Il est peut-être très dangereux. C'est pas vrai. Et je lui ai même trouvé un nom. Vraiment? Buck. Écoute bien ce que je te dis, Ryan. Il est possible qu'il se rétablisse. Il n'en reste pas moins un animal sauvage. Il ne peut pas vivre à l'intérieur d'une maison. Bon, j'ai quelques courses à faire en ville. Si on en profitait pour acheter de la crème glacée. Et de la nourriture pour Buck aussi. Bien sûr. On y va. Bonjour, monsieur Hale. Bonjour, Marla. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Ça va, ça va, ça va. Tant mieux. Tu n'as pas envie que je t'offre ce superbe chapeau? Tu rigoles. On va se moquer de moi à l'école. Vous avez de la nourriture pour loups? Pour loups? Oh, tu veux dire pour des chiens loups? Non, je suis désolée, on n'en a pas. Alors, c'est laquelle la meilleure des pâtés pour chiens? Je t'avoue que je ne les ai pas goûtées, mais la plus chère qu'on ait, c'est la Happy Dog, festin de roi, là, sur l'étagère. Ryan, je pense que de la viande séchée suffira pour Buck. Maman a dit que je pouvais acheter ce que je voulais, et je veux que Buck ait ce qu'il y a de meilleur. Tu mettras ça sous mon compte, tu veux bien? D'accord, monsieur Hill. Oh, je dois vous donner quelque chose. C'est pour Marcy. Je veux dire, c'est pour vous. Ce vieux pull que vous portiez tout le temps, votre femme m'avait demandé de coudre des pièces en cuir sur les coudes. Mais bon, ça m'était sorti de la tête, en fait. Je suis désolée.
Elle détestait ce vieux pull. Elle me disait tout le temps qu'elle allait le jeter quand j'aurais le dos tourné. Et j'ai cru qu'elle l'avait fait. Eh bien non, elle m'avait demandé de le raccommoder. Ça m'a fait plaisir, monsieur Hill. Allez, Buck, c'est confortable. Tu devrais essayer. Je voudrais dormir avec Buck cette nuit. Et tu crois vraiment que je vais te laisser dormir ici, toute seule dans ce garage, avec un loup féroce? La façon dont tu le présentes, ça veut dire non? Bien deviné. Et pour ça, tu gagnes un prix. Quoi? Des kilos de dentifrice sur les poils de ta brosse à dents. Allez, viens. Bonne nuit, Buck. Je continue mon histoire? Oui. Essaie de rester éveillé jusqu'au passage intéressant cette fois-ci. Buck se retrouva dans le wagon à bagages d'un grand train express. Ce train l'emmena jusqu'à la mer. Ensuite, on l'embarqua dans un navire de marchandises. 7 jours durant, le bateau navigua vers le nord. Et pendant 7 jours, Buck ne reçut pratiquement rien à manger. Le peu de nourriture qu'on lui donna lui fut amené par un homme habillé en rouge. Buck en voulait à l'homme pour tout ce qui lui était arrivé. Quand l'occasion se présenta, Buck tenta de s'échapper. Mais l'homme avait une matraque. Buck n'avait jamais été maltraité. Et l'homme le frappa, et le frappa encore, jusqu'à ce que Buck n'ait plus la force de se débattre. Et ainsi, il comprit que l'homme à la matraque faisait la loi. L'homme en rouge s'exclama « Obéis, chien, et tu seras traité correctement. Mais si tu n'obéis pas, je te battrai à mort. Compris ?» Buck comprit, mais cela ne l'enchantait pas le moins du monde. Et il s'est enfui ? On verra ça. Tu vois, Buck a atterri dans un endroit où, en réalité, il n'a pas sa place et ça va lui poser des problèmes. Heureusement, notre Buck se sent bien près de nous. Bonne nuit, bouton d'or. Faites beau rêve. Salut Ryan. Chut, je l'avais presque. C'est un loup, ça? C'est un chien loup. Il s'appelle Buck. Il a l'air fort. Et malin aussi. Hey. Bonjour, Jack. Bonjour. T'as pas bien dormi cette nuit? Oh. Ça fait un moment que je dors très mal la nuit. Il m'aime bien. Je vais demander à maman et papa si je peux l'adopter. Ryan. Quand Britney et Chloé le verront, Chloé a un lévrier afghan et Britney un charpé. Mais c'est plus que sûr, il n'y a personne, vraiment personne à Beacon Hill qui a un loup.
Ryan. Tu vas adorer cet endroit. Bonjour, monsieur Hale. Comment ça va aujourd'hui? Bien, et vous, ça va? Oui, pas trop mal. Il faut que j'aille à la banque pour régler une affaire, bouton d'or. Tracy, sers à cette jeune fille tout ce qu'elle désire. Tant qu'elle n'exagère pas. Très bien. Grand-père, tu veux bien arrêter de m'appeler bouton d'or devant les gens? C'est embarrassant. Désolé. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Les glaces à la fraise? Salut, Jack. Salut. Salut, Tracy, salut. Je savais pas que tu travaillais aujourd'hui. Je suis venu pour un verre. Pardon, je veux dire un soda. Je crois que ça peut s'arranger. Tu fais des courses de traîneau? J'essaie. Tu vois, j'apprends encore. J'arrive pas à croire qu'on fasse courir des chiens dans la neige. Tu plaisantes? Ils adorent ça. C'est pour ça qu'on les élève. Une fois qu'ils y ont pris goût, c'est dur de les empêcher de courir. Alors pourquoi t'as pas gagné? Mon chien de tête est trop lent. Il faut un chien exceptionnel pour faire un bon chien de tête. J'ai le chien le plus spécial de toute la ville, parce qu'il est à moitié loup. Oz, tu t'entêtes à vouloir fumer, je vois. Tu peux te consacrer à ta mauvaise habitude dehors, on ne fume pas ici. C'est de moi que tu ris, tête de lard? Oh, je vois. Je vois que t'as une nouvelle copine. Elle est pas trop mûre pour toi? Je suis assez mûre pour savoir que fumer, c'est pour les nuls. Oh. Et si je renversais cette glace sur ta petite tête? Ça te dirait? Hé. C'est bon. Oz, ça y est, tu as fini? Ouais, ça y est. Alors, ce chien loup que t'as trouvé, peut-être qu'il pourrait devenir chien de tête? Peut-être, mais je l'emmène chez moi à Boston. C'est dommage qu'il ne soit pas venu dans mon garage. Il est plus fort que tous les chiens que je connais, et assez malin pour être un meneur. Ça se voit? Il apprend vite. Et tu serais d'accord de lui mettre un harnais pour voir comment il réagit? Quoi? Tu crois qu'il y arrivera pas? Allons chercher ce harnais, tu verras. Wow. Attendez, où t'as trouvé cet animal, petite? Il était dans notre garage. Il a l'air costaud. Regarde sa taille. Alors tu l'as trouvé? Tu devrais faire attention, petite. Il a l'air sauvage et féroce. Il est pas sauvage. Alors voilà le topo. On a trouvé cet animal il y a 5 jours, dans la nature. Il traquait un élan sur la crête du cavalier. On l'a attaché avec une corde, mais il s'est fait la malle. C'est vrai? Oz était là aussi? Ouais. On l'a trouvé les premiers. Il est à nous. Non, il est à nous. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hip? Non, venez gentiment remercier cette jeune fille d'avoir trouvé notre chien loup. Mais de quoi tu parles? C'est nous qui avons trouvé ce chien. On l'a capturé, on l'a attaché, puis il s'est enfui. Et tu peux le prouver, ça? Tiens. C'est vrai. Ça ne suffira pas, Hip. Je peux te demander ce que tu fais dans le coin? Sûr, on est juste passé par ici pour prendre quelques œufs. Tu t'es éloigné de ton chemin, on dirait. On dirait bien, ouais. Je te souhaite bonne route alors, Hip. Tu les laisseras pas prendre Bug, grand-père? Non. T'en fais pas. Grand-père, je veux savoir ce qui est arrivé à Buck.
Buck achevait son voyage sur le bateau et à la fin de cette longue semaine, il arriva dans une étrange nouvelle contrée, l'Alaska. C'était un pays qui offrait quantité de nouvelles expériences. Et la plus incroyable pour lui, ce fut la découverte de la neige. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Mais une autre surprise l'attendait. On mit à Buck un harnais fait de lanières de cuir. Chez lui, il avait déjà vu les hommes mettre ce genre de harnachement à des chevaux. Buck apprit à courir en équipe. Et petit à petit, il commença à accepter sa nouvelle vie. La nuit, les hommes ne le laissaient pas dormir au chaud, sous la tente. Alors, il dut apprendre comme les autres chiens à se préparer lui-même son petit lit douillet. Bonjour, Bill. Désolée de débarquer si tôt. Ça me fait toujours plaisir de te voir, René. Ib dit que vous avez son chien. Je suis pas trop sûr de ça. Il a débarqué il y a quelques jours. Le docteur Spencer a dit qu'il était mal en point. Ma petite fille l'a soigné jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Écoute, c'est un loup, Bill. C'est pas un chien pour un enfant. Je suis pas un enfant. Et vous, alors, vous êtes un menteur. Chut, Ryan. Tu devrais apprendre les règles de savoir-vivre à cette jeune demoiselle, Bill. Je voulais te remercier d'avoir pris soin de notre chien, mais maintenant on va le récupérer. Alors pour moi, qu'il est à toi. On l'a trouvé. Quel genre de preuve tu veux? Alors il va venir avec... C'est un meneur. C'est pour ça qu'on veut le récupérer. De toute façon, il aime le gamin plus que moi, Oswald. Il adore le gamin. C'est ça le genre de preuve que vous cherchez, shérif? Je suis pas un juge. La solution légale serait de mettre l'animal aux chenilles en attendant que l'affaire soit réglée devant la cour. Pas question, Buck est à nous. Premièrement, cette petite ne vit même pas dans le coin. Ensuite, j'ai la meilleure équipe de traîneaux de toute la vallée. Et ce chien serait beaucoup mieux chez nous. Vous êtes pas si doué que ça. Je parie que Jack est meilleur que vous. Et si vous faisiez une course pour prouver que je me trompe? Quoi? Voilà une excellente idée. Vous n'avez qu'à organiser une course, et le grand vainqueur de l'épreuve remportera l'animal. Quel genre de course? Disons la dernière boucle de la course aux étoiles. Ça ferait un parcours parfait. Qu'en dis-tu, Jack? On peut prendre Buck dans notre équipe. Il vous faudrait au moins 5 mois pour que ce chien soit prêt. Et surtout, il vous faudrait un meilleur musher que Jack Ferguson. Ferguson. Marché conclu. Rendez-vous dans 2 semaines. Si vous osez. Donc le vainqueur de la course remporte le chien. Le loup. Je veux dire, Buck. D'accord. Allez, bouge tes fesses, toi. Où tu vas? Tu montes là. Mais pourquoi? Parce que je veux pas de baffe de chien sur mes sièges. Allez, monte. Mais pas, il fait froid. Et si t'es pas content, tu rentres à pied.
Pour faire courir les chiens, tu cries Ike. Pour qu'ils aillent à droite, tu cries Guy. Et pour la gauche, c'est A. Comment tu dis waouh? C'est facile, waouh. Quand est-ce qu'on dit moche? Jamais, ça c'est seulement dans les films. À ta place, je m'enfuirai. Je t'ai eu. Ah, attention à toi. Laisse-moi tranquille. Je vais t'avoir. Avec le temps, Buck devint aussi robuste que l'acier. Son odorat et sa vue s'étaient remarquablement aiguisés. Ses instincts enfouis au plus profond de lui avaient refait surface. Il avait fini par se sentir chez lui dans cet environnement sauvage. Et Buck sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Tu crois qu'on peut gagner la course? On est obligé si je veux garder Buck. Ryan, tes parents ont peut-être leur mot à dire, non? Et même si tu gagnes la course, ça ne dépendra pas seulement d'eux. Ce sera Buck qui décidera. De toute façon, on va gagner. C'est l'heure du grand test. Un chien de traîneau doit s'entendre avec ses équipiers. Tu le vois, lui? Hein? C'est notre nouveau chien de tête. C'est Buck, d'accord? Il faut que tu le suives. Ike! J'ai dit Ike! Vas-y, Buck! Faut croire que ça marche. Eh bien, il a tout d'un grand meneur. Il est impressionnant. Faire un très bon chien de traîneau. Seulement pour la course. N'oublie pas, je l'emmène chez moi à Boston. Oh, c'est Tracy. C'est la plus belle fille de la ville. Elle prend des cours de piano avec ma mère. Salut, Jack. Salut, Tracy. On était en train de dresser ce chien. Eh bien, on dirait que tu as du pain sur la planche. C'est parce que... En fait... Bonne chance avec ton chien. C'est une nouvelle laisse. T'es toujours comme ça quand tu la vois? Comment? Elle t'aime bien. T'es cinglé. Ryan, pendant que j'achète quelques provisions en ville, pourquoi tu ne ferais pas un petit peu de tourisme? Grand-père, j'ai déjà tout vu en ville. Oh non, t'as pas tout vu. Je te comprends, j'ai fini par y goûter moi-même. C'est délicieux. Hey. Pourquoi tu me suis ? Qu'est-ce que tu fais? Tous ces trucs sont inutiles. Je l'avais jamais remarqué avant. Tu sais ce qu'il me faut? Une vraie paire de bottes imperméables, comme Jack. T'as pas peur de ressembler à un plouc de la région?
Si je veux entraîner Buck, il me faut des bottes. Eh bien, demain, on verra si on peut en trouver une nouvelle paire en ville. Hé, t'as une histoire à me lire. Pendant les 5 mois qui suivirent, Buck et son équipe parcoururent près de 4000 kilomètres par le temps le plus froid de l'année. Quand ils arrivèrent à Skagway, les chiens étaient morts de fatigue. Épuisés, ils furent vendus et remplacés par une nouvelle meute. La meute de Buck fut achetée par 3 étrangers. Il y avait Charles, qui avait grandi en travaillant dans le salon de coiffure de son père, sa femme Mercedes, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, et le frère de Mercedes, Al, qui était un homme qui jouait aux cartes pour gagner sa vie. Ces 3-là n'étaient pas à leur place dans cette région au climat rude, mais ils étaient venus en Alaska comme tant d'autres, s'attendant à ramasser une fortune en pépites d'or. Rien qu'en se baissant. Buck n'était pas heureux de travailler pour ces 3 blancs-becs, qui ne connaissaient rien aux chiens et encore moins aux traîneaux. Le chargement était trop lourd et très vite ils n'eurent déjà plus de quoi nourrir les chiens, alors qu'ils étaient encore à plus de 100 kilomètres de leur destination. Quand les chiens s'arrêtèrent, Al donna des coups de bâton à Buck. Heureusement, il se trouvait non loin du campement d'un autre chercheur d'or, John Thornton. Thornton était un homme fort, mais même lui faillit fondre en larmes devant cette scène horrible. Il hurla : Si tu bats encore ce chien, je jure que je te tuerai. Thornton détacha Buck et l'emmena avec lui. Terrifié, Al, Charles et Mercedes prirent la moitié de leurs provisions avec eux et continuèrent à suivre la piste. Thornton leur dit de ne pas poursuivre leur route sur le Yukon, car la glace allait bientôt se rompre. Mais ils l'ignorèrent et on ne les revit jamais plus. Est-ce que Buck a quand même fini par trouver un bon maître, finalement? Je ne crois pas que je vais te révéler la fin de l'histoire. Dis-moi, grand-père, qu'est-ce qu'il a, l'homme bizarre que j'ai vu en ville? Hatcher, je ne sais pas grand-chose. Il vit dans une cabane dans la montagne, il est plutôt réservé. Certains disent que c'est un prisonnier, échappé en cavale. Ils disent qu'il attrape des lapins à main nue et qu'il les mange crus. Et quand il n'y a pas de lapins, il mange des rochers. Tu sais, toutes les petites villes ont un personnage qui est la cible de toutes les rumeurs. À ce que je sache, Hatcher n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas faim? Bonjour, Jolene. Bonjour. Va dire ça à mes poules, si tu les retrouves. Je ne suis pas sûr de te suivre. 2 de mes poules ont disparu cette nuit. Il y a des plumes éparpillées partout. Et tu suspectes un coup fourré? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour commencer, Bill, tu peux m'acheter 2 nouvelles poules. Et pourquoi je ferais ça? Dans ton garage, il y a une affreuse grosse bête et c'est sûrement elle qui a fait le coup. Mais non, tu te trompes, je t'assure. C'est un danger. Salut. Toi, je t'ai vu avec cet animal. Il a tué 2 de mes poulets. C'est pas vrai. Il reste dans le garage toute la nuit, c'est un gentil loup. Chien. Tout ce que je dis, c'est que si j'ai encore des poules qui disparaissent, j'appelle le shérif pour qu'elle emmène cet animal et qu'elle le fasse abattre. Ne t'en fais pas, Jolene. On fera en sorte qu'il n'embête plus tes poules. Dorénavant, on gardera Buck attaché. Il n'aimera pas ça, mais avons-nous le choix?
On s'en fiche de ces poulets de toute façon. Attends un instant, jeune fille. Peut-être qu'on devrait ramener Buck dans la nature. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde. Il va gagner cette course et montrer à tout le monde que c'est un bon chien. Et papa et maman vont me laisser le garder. Et Britney et Chloé seront jalouses. C'est à ça qu'il te sert? Non. C'est mon ami. Magne-toi un peu. Ah, pas toute la journée. Les chiens ne courent plus très bien, papa. C'est peut-être cette nourriture bon marché qu'ils mangent. Tu sais, ils ont besoin de viande. Et j'en voudrais bien aussi. Est-ce que je peux acheter des gants en ville, papa? J'ai les doigts gelés. Tu as perdu ceux que je t'ai achetés l'année dernière. Pourquoi je gaspillerais de l'argent bêtement? Tu les perdrais aussi. Tu crois que nos chiens vont gagner, papa? Ça dépend pas des chiens, mais plutôt de ce que leur mûcheur a dans la tête. Je suis plus malin que Jack Ferguson? Je parierais pas là-dessus. Ah, ça fait rien, j'ai suffisamment de cervelle pour nous deux. Ferme le coffre, on y va. Tu crois que je pourrais ramener Buck chez moi? J'en sais rien, Ryan. Il faudrait qu'il s'habitue à vivre en ville. Si mes parents n'en veulent pas, je te le donne. Concentrons-nous sur la course. Oz est très bon sur un traîneau, sauf s'il écoute les conseils de son père. Pourquoi il dresse des chiens, ce type? Il est trop nul. Je suis pas sûr de pouvoir le battre. Je suis pas sûr du tout. Tu te souviens, grand-mère disait « Bénissez cette nourriture et ceux qui la mangent ». C'était plein de bon sens. Écoute, c'est la première fois que je fais du pudding vraiment toute seule. Je veux un avis sincère. Qu'est-ce que t'en dis? Intéressant. On avait presque plus de lait, alors j'ai utilisé plus de beurre. Excellente idée. Allô? Bonjour, Paula. Oui, elle est là. C'est ta maman. Salut, maman. J'ai une surprise qui t'attend. Un truc génial, tu verras. Je t'aime. Elle voudrait te parler. D'accord, merci. Ryan, va t'assurer que Buck est bien attaché. Oui, Paula. Ah, elle s'amuse bien, c'est vrai. Elle apprend à dresser des chiens de traîneau. Oui, t'as bien entendu, il s'agit bien de ta fille, Ryan. Écoute, il faut quand même que je te parle de quelque chose. Quand Ryan va repartir, elle est décidée à ramener un chien avec elle à Boston. C'est un gros chien croisé avec un loup. Il a débarqué chez moi il y a quelques jours. Mais oui, c'est ce que je pensais. Non, je ne le vois pas vivre en ville, moi non plus. Bon, on verra ce qu'on peut faire. Faut que tu sois bien sage. Sinon, je pourrais pas te garder. Et tu pourras pas venir à Boston avec moi. Et les poules, j'espère que c'était pas toi. Mais si c'est toi, je sais que tu voulais pas être méchant. Ça t'empêchera de faire des bêtises. Bonne nuit, Buck. Les blessures de Buck guérirent. Tous ses muscles retrouvèrent leur vigueur et ses yeux redevinrent brillants et pleins de vie. Il devint très attaché à son nouveau maître. Après tout, cet homme lui avait sauvé la vie. Rien ne rendait Buck plus heureux que les jeux et les moments de camaraderie partagés avec Thornton. Mais malgré l'attachement qu'il avait pour cet homme, l'instinct et l'appel de la nature grondaient dans le cœur de Buck. Quelque chose dans la forêt l'attirait irrésistiblement. Et un jour, il répondit à cet appel. Il courut seul à travers la forêt durant des jours et des jours. Mais son attachement à John Thornton l'amenait toujours à faire demi-tour. En tout cas, pour le moment. Pourquoi agissait-il ainsi? Lui-même ne le savait pas, mais il revenait à chaque fois auprès de John. «
Je les adore, merci. Grand-père, je suis pas un garçon manqué. Oh non, ça c'est une chose qu'on ne devrait pas dire à la légère, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec toi. Mais je ne serai jamais comme les filles de Beacon Hills, pas vrai? Est-ce que tu trouves que ta mère est un garçon manqué? Oh non, ça non. Eh bien, j'ai quelque chose à te montrer. Elle, c'est ta maman. Elle jouait au softball? Non, au baseball. Pouf. Elle envoyait des boulets de canon. Elle m'a supplié de la laisser jouer. Moi, j'avais peur qu'elle se blesse. Mais j'ai fini par céder et tu aurais vu ses arrêts courts, les plus beaux de tout le comté. Figure-toi qu'une année, elle a même été élue meilleur frappeur de la saison. Grand-père, Jack dit que Buck est prêt à faire du hors-piste et il veut le tester. Oh. Il pensait démarrer sur la piste de Cold Creek. Je peux l'accompagner? J'ai dit à Jack que tu serais d'accord parce que tu as confiance en mais moi. Mais je ne suis pas sûr d'avoir confiance en Buck. Et tu ne connais rien aux courses de traîneau. Jack connaît tout, s'il te plaît. Maman jouait bien au baseball. Je ne veux pas que tu t'éloignes à plus d'un kilomètre de la piste. De cette manière, tu pourras revenir en marchant s'il le faut. Mais un kilomètre, c'est rien du tout. Toutes les pistes sont recouvertes de neige. On peut se perdre très facilement. Je sais que Jack est un brave garçon, mais c'est à moi que tes parents t'ont confié. Mais un kilomètre... Promets-moi de rester à cette distance. Promis, grand-père. Alors, Ryan, t'es prête? Souviens-toi de bien garder les bras à l'intérieur. Allez, tu vas leur montrer ce que tu sais faire. D'accord? Alors, Jack, prêt pour le départ? Essayez donc de nous arrêter. On pourrait bien aller jusqu'en bas du col. Justement, j'allais te dire, j'ai promis qu'on ne dépasserait pas un kilomètre. Jack, c'est la première fois. Si tu emmènes Bouton d'or avec toi, je ne veux pas que tu t'éloignes. Bouton d'or? Aucun problème, Monsieur Hale. Très bien. On sera de retour très vite. On fera l'aller-retour plusieurs fois, d'accord? Vous voulez bien enlever le frein, s'il vous plaît? Et voilà. Libre comme le vent. Aïe! Allez, Buck! C'est dommage de devoir s'arrêter. Peut-être que j'arriverai à convaincre grand-père de nous laisser aller plus loin demain. Ça va, Ryan? Je crois que oui. Et toi? Je me suis tordu la cheville. Oh non, on va mettre des heures à défaire tout ça. Buck, viens, viens là. Et maintenant, tu vas m'écouter, d'accord? Je ne sais pas après quoi tu courais tout à l'heure, mais là, je veux que tu m'écoutes. Je vais détacher ton harnais pour pouvoir démêler les autres, d'accord? Reste.
Où tu crois qu'il est parti? Retrouver les siens. Il reviendra. J'en suis sûre. Il va revenir, tu crois? On a un autre problème. Comment on va repartir d'ici? Aucun réseau. J'ai un petit peu peur. Il n'y a pas de quoi paniquer. Parce que ton grand-père sait où on est. Et il va partir à notre recherche. Tu ne dois pas lui dire que Buck ne voulait plus s'arrêter. Pourquoi? Parce que il va dire que Buck est trop sauvage. On lui dira que tout est ma faute. Que c'est moi qui ai voulu continuer. J'ai froid. Oui. Savoir ce que vous fichez ici tous les deux. Nous faisions juste un tour entre nous. Les chiens se sont emballés, on s'est retournés. Votre chien a trouvé ma cabane. Il l'a fait qu'aboyer jusqu'à ce que je comprenne que je devais le suivre. Ça va? Vous n'avez rien? Jack a une entorse. Oh, juste une petite. On a un peu froid, mais à part ça, on va bien. Vous feriez bien de m'accompagner. Jusqu'à ma cabane. Les chiens peuvent rester là pour l'instant. Hein? Attention. Bonjour, shérif. Faites savoir à Bill Hale que sa petite fille et le garçon qui l'accompagne sont avec moi à la cabane. Ils ont eu un accident de traîneau, je les ai secourus. Dès qu'ils se seront un peu réchauffés, je les ramène chez lui. Merci, Roy. Je vais prévenir Bill. Je pense qu'il sera soulagé d'entendre ça. Ça fait une heure qu'il m'appelle toutes les cinq minutes. Ah ben, vous pouvez lui dire aussi que sa petite fille va très bien. Alors, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vis ici. C'est votre chien, là? Kingo. Il est mort l'automne dernier. Il avait plus de bon sens que tous les humains que je connais. Un bon compagnon. Et le plus courageux de tous les chiens. Il doit beaucoup vous manquer, j'imagine. Comme s'il me manquait un bras. Et si t'étais resté toute la nuit dehors? Oh, j'aurais pas eu peur. Mais t'as de la chance. Tu vas bientôt revoir ton grand-père. Là, j'ai peur. Ouais, ça se comprend. Tu m'avais promis. Grand-père, j'ai... Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as trahi ta promesse. Et plus important encore... Ma confiance. Pardon. On s'était mis d'accord et tu as outrepassé mes ordres. Pour toi, une parole donnée n'a donc aucune signification. Et Jack est un adulte, il est encore plus à blâmer. C'est ma faute, grand-père. Jack n'a rien fait. C'est moi qui voulais aller un peu plus loin. Mais Jack a dit non. Seulement, Buck ne l'écoutait plus. Cet animal est dangereux, je le sais depuis le début. C'est le meilleur des chiens, grand-père. Buck nous a sauvé la vie. Tout cela reste à prouver, Ryan.
De plus, cela fait quelques jours que tu as complètement laissé tes devoirs de côté. Je suis contrarié, vraiment déçu. Grand-père, tu vas me dire l'histoire ce soir? Non, ce soir, non. Tu as besoin de réfléchir aux conséquences de tes actes. Et je pense que tu peux oublier tout ce qui se rapporte de loin ou de près à cette course qui a lieu samedi. S'il te plaît, grand-père! Va au lit, maintenant! Je vous apporte des donuts. Je viens m'excuser pour hier. J'ai pas assuré. Eh bien, je suis content que vous soyez rentré sain et sauf. Monsieur Hale, je ne vais pas faire cette course. Oh. Je suis pas encore au point sur un traîneau. Ne dis pas ça, Jack. Je le dis parce que c'est vrai. C'est pas grave. Un de ces jours. Qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé d'écrire un journal sur mon voyage. Ah. Tu as fini tes devoirs? J'ai même terminé les facultatifs. Ah, t'es une championne. Je suis fier de toi. Ryan, tu te souviens de ta grand-mère? Oui, elle était très gentille. Tu sais qu'elle nous a quittés l'été dernier. Elle est partie à l'épicerie pour acheter ce qui lui manquait pour le souper. Elle a fait une crise cardiaque et elle est morte avant même que le docteur n'arrive. On ne m'a pas prévenu tout de suite. Je savais rien. Je croyais qu'elle allait rentrer à la maison. J'ai resté devant la porte et j'ai attendu. Alors, c'est pour ça que j'étais dans tous mes états quand je ne t'ai pas vu rentrer, tu comprends? J'avais peur que tu ne rentres plus jamais non plus. Je voulais pas te faire de la peine. Est-ce que tu veux que je continue notre histoire? Quand nous avons laissé Buck, il vivait heureux sur les terres sauvages de l'Alaska avec Tonton. Pour Buck, c'était une vie de rêve. Il passait son temps à chasser, à pêcher et à découvrir de nouveaux territoires en compagnie de son cher maître. Mais l'appel de la forêt était toujours présent, toujours plus fort. À cause de lui, Buck n'était pas vraiment en paix et l'envie de partir vers l'inconnu grandissait en lui. Buck repartit à l'aventure et s'éloigna du campement chaque fois un peu plus longtemps. Une mémoire très ancienne remontait en lui, la mémoire de ses ancêtres. Il renifla un vieil orignal et il suivit sa piste durant 3 jours, jusqu'à ce que l'orignal fût trop fatigué pour continuer et Buck ne laissa pas passer cette chance. Il a tué l'orignal ? Quand Buck retourna au campement, un groupe d'hommes était là. Ils avaient dévalisé Thornton et l'avaient battu sauvagement. Buck les attaqua avec fureur. Effrayés, ils s'enfuirent dans les bois. Buck trouva son maître bien-aimé, inanimé, gisant dans la neige. Il était mort. Je n'aime plus ce livre, grand-père. J'ai plus envie que tu me le lises. Tu ne peux pas comprendre l'histoire si tu n'écoutes pas la suite. Je sais. Mais je veux dormir. Oui.
Alors, tu te sens prêt pour la course? J'ai laissé tomber. Pourquoi? De toute façon, c'est perdu d'avance. T'as tort, tu ne devrais pas abandonner. J'ai parlé de toi à tout le monde, j'ai dit que tu t'entraînais très dur pour cette course. Je veux pouvoir dire que je te connaissais avant que tu deviennes un champion. Tu as vraiment parlé de moi? Hey Jack, bonne chance pour la course, on est avec toi. Je dois retourner travailler. Voici l'histoire de mon voyage dans le Montana. Avant de venir ici, je ne savais pas que la nature pouvait être aussi belle. Je vais vous parler de Jack. C'est le garçon le plus sympa que j'ai jamais rencontré. Et il m'a appris tellement de choses sur les chiens. J'allais presque oublier de vous dire ce qu'il y a de mieux dans le Montana. C'est mon grand-père. Il sait tout ce qu'il y a à savoir, même que parfois, j'aimerais qu'il en sache un peu moins. Il était marié, mais ma grand-mère est morte. Elle me manque beaucoup parce qu'elle était gentille. Je suis sûre qu'elle manque aussi beaucoup à mon grand-père. Mais les grandes personnes ne montrent pas quand elles sont tristes. Ce que je pense, moi, c'est qu'elle est un ange maintenant. Et que de là-haut, elle veille sur grand-père. Même si lui ne la voit pas. Mais je suis sûre que c'est vrai. Fin. Qu'est-ce qui se passe, Jack? J'ai décidé que j'allais faire cette course. Parce que, qui a dit que j'étais pas assez doué? Et vous savez, c'est moi qui vais gagner. Bien parlé. Bien. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller l'aider. Allez! J'ai le droit? Oui! Je t'adore, grand-père! Merci! Faut qu'on se dépêche, il reste plus qu'un jour! Thank you.
Oui. Bien sûr. C'est bien, Stark. Ça va aller? Non, ça, ce sont mes braves chiens. Et mon chien tête. Ouais, c'est un bon chien, ça. Si on ne gagne pas, tu vas devoir aller vivre avec Monsieur Hip. Et tu ne veux pas que ça arrive. Tu devrais laisser Buck en décider. C'est pas un chien pour une petite fille. Un jour, il va se retourner contre toi. C'est un loup, il va te sauter au visage, il va t'arracher la peau. Ta mère elle-même te reconnaîtra plus. Non, je rigole. J'aimerais lui souhaiter bonne chance. Je te souhaite une bonne course. Je t'attends à l'arrivée et tu rentres à la maison avec moi. On va donner le départ. Attention, restez sur vos marques. Nous comptons sur le bon esprit sportif des concurrents. Que la course commence! Fais exactement ce que je t'ai dit. J'ai mis des friandises pour chiens dans tes poches. Si Jack s'approche de trop près, tu en jettes une poignée derrière toi. Ça ôtera à ces chiens toute envie de courir. Jack, tu es sûr de vouloir m'emmener? C'est du poids en plus pour les chiens. Je le sais, mais on fait équipe. Tiens, tu vas mettre ça. C'est un porte-bonheur. Et en plus, il te tiendra chaud. De quoi j'ai l'air? Oh, d'une vraie championne! Si tu gagnes pas cette course, je veux plus te voir à la maison, t'as compris? Ouais. Bonne chance, les enfants. J'ai coincé son frein dans la glace. Tu vas partir avec une longueur d'avance. À vos marques! Le meilleur gagne! Attention! Prêt! Partez! Aïe! Aïe! C'est coincé! C'est ça, Jack! Oui, dépasse-le! Vas-y, Jack!
Jack te coule aux fesses. Fais attention à toi, Rose. Non. Allez, mes chiens, en avant. Cette fois, on les dépasse, ouais. Ça y est. Calcule ton coup avant de passer. Je crois que Jack sait ce qu'il fait. Et comment qu'il le sait? Cette gamine est fantastique. Ike. T'as fait une belle course. Toi aussi, Oz. Tiens, pour tes chiens. Et désolé pour tout ça. Tous les trois, on va sûrement se voir l'année prochaine. Je vais avoir mon bac et je compte aller à la fac. Mon père est pas au courant. Merci. Félicitations. Shérif! Shérif, cette course n'était pas réglementaire. Ils étaient deux mocheurs. Il faut les disqualifier. Votre défaite est tout à fait réglementaire. Et ils n'avaient pas le droit de faire courir un loup. Hey, mais vous étiez d'accord. J'ai gagné! Ça s'est pas passé à la loyale et tu le sais. Oh, et de toute façon, qui voudrait être ce chien dégénéré? Non, Buck! Mais papa, arrête! Retenez-le! Allez! C'est une bête féroce! Vous l'avez tous vu! C'est une bête sauvage, il est dangereux! Shérif, vous devez mettre ce loup hors d'état de nuire. Sinon, je porte plainte. De toute façon, dans cette ville, ça pue le bouseux. J'en ai marre de vivre entouré de gens médiocres. Ça pue dans cette ville. Je pars pour le nord. Mais il se pourrait que je revienne. Bill, Buck semble avoir une part de lui encore très sauvage. Je vais devoir prendre des mesures. Il ne peut pas rester en ville. Il vient avec moi à Boston. Viens, Buck. J'ai parlé à tes parents hier soir, et nous avons parlé de Buck. Un loup ne peut pas vivre dans une grande ville. Tu comprends? Je l'avais bien attaché, tu sais. Il a quand même réussi à s'enfuir, et je crois que c'est arrivé plusieurs fois. C'est sûrement lui qui a mangé les poules. J'avais peur que tu le chasses, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est pas un animal de compagnie. Ryan, c'est un loup, chérie. C'est un loup extraordinaire, mais c'est un loup quand même, qui doit vivre dans son environnement naturel. On peut le remettre dans la forêt? Non, ça ne marcherait pas. Il reviendrait sans cesse rôder près des maisons. Il s'est habitué à vivre ici, parmi les hommes. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Je vais devoir l'emmener à la fourrière. Dis-lui au revoir, ma chérie. Ryan, trésor. C'est bien. Oui.
c'est une petite fille très courageuse. J'ai bien besoin d'un chien, moi. Il pourrait m'être utile. Il vous aime bien, on dirait. Oui, ça se voit. Ouais. Shérif ? Eh bien, tant qu'il reste près de ta cabane... Aucune objection. C'est tranquille, là-haut, tu vas t'y plaire. Il a l'air d'accord, qu'en dites-vous? Juste une chose. Son collier, faudrait qu'il le change. John Thornton était mort. Le dernier lien qui rattachait Buck aux hommes était rompu. Cette fois, il retourna définitivement à l'état sauvage. Les Indiens racontent encore son histoire. C'est l'histoire d'un chien fantôme qui hante la forêt. Ils craignent tous de recevoir un jour la visite de ce fantôme qui pille les campements, vole le gibier dans les pièges et défie les meilleurs chasseurs. On dit que c'est un loup fier et magnifique, à la fourrure épaisse et soyeuse. Il ne ressemble à aucun autre loup. Et lorsqu'il hurle, c'est la chanson du loup du Yukon. L'appel de la meute. Merci pour tout. C'était un plaisir. Merci encore. D'accord. Au revoir. Je sais, elle est toute petite. Elle est parfaite. Crois-tu que Britney et Chloé la trouveront jolie? On s'en fiche de ce qu'elle dit, ces deux-là. Je sais comment je vais l'appeler. Ah oui? Bouton d'or. C'est les plus belles vacances que j'ai jamais eues. Je t'aime, grand-père. Je t'aime aussi, Bouton d'or. C'est bien. Reste. Ouais, t'es un bon chien. T'es un bon chien. C'est bien. Allez. Thank you.
like the beat of your heart, flicker of flame, feel of the wind, or the blood in your veins, like a river that runs, cuts a hole right through. There's nothing to say, gotta do what you gotta do. Like the cry of a wolf, or the love of a child, something deep in your soul, like a burning desire. It's the call of the wild. Doesn't make much sense. How can I survive with no defense? But the call of the wild, if it speaks to you, you can live for today, 'cause you got something to prove. Voice from above that only knows the truth. You can't turn away, you can barely move. There's a way to live.